Il y a les ambulanciers, bien sûr, qui participent aussi à ce harcèlement par manière codée. On ne peut rien prouver. Alors, j'ai filmé à nouveau l'immeuble sous lequel je me fais agresser violemment, quasiment tout le temps. La dernière fois, j'ai pu filmer une chose assez intéressante, une sorte de triangle lumineux, un grand triangle lumineux, la pointe vers les tours cellulaires. On sait que les opérateurs téléphoniques, sous couvert de leur mission, de leur fonction, de leur métier, participent au harcèlement d'une cible blacklistée, participent aux tortures. Il y a d'ailleurs un procès qui a été gagné, aux États-Unis. Voilà, un premier procès dans ce sens-là.